Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel, ça peut pas aller mieux. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, vidéo très particulière. Pour ceux qui ont raté mon live, pour ceux qui veulent revoir les meilleurs moments de mon live, c'est ici que tout se passe. La vidéo, elle dure à peu près 40 minutes. Je vous ai fait un montage où j'ai compilé 4 heures de live où on a terminé le jeu The Forest. Je vous fais cette courte introduction. Vraiment, écoutez-la jusqu'à la fin et ne zappez pas s'il vous plaît parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. Déjà, premièrement, prenez à boire et à manger, mettez-vous dans le noir et regardez toute la vidéo en entière, mettez-vous bien parce que franchement, on a passé un bon moment. Et là, j'aimerais juste vous remercier tous ceux qui étaient présents à ce live, ceux qui l'ont rejoint en cours de route ou tout simplement ceux qui n'ont pas pu le voir mais qui voulaient le regarder. Je vous remercie tous et toutes parce que c'était incroyable. On a terminé le jeu The Forest, j'ai choisi ma fin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fins alternatives. On les fera en vidéo d'ailleurs, ça j'en parlerai dans 2 secondes. Mais j'ai choisi ma fin, vous allez la découvrir du coup pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien dans cette compilation du live. On a passé un moment incroyable et magique et drôle et tout ce que vous voulez, c'était incroyable. Donc merci beaucoup à tous. Donc dans cette vidéo, j'ai compilé 4 heures. Je remercie aussi parce que j'ai oublié de le faire pendant le live BXNO, puisque BXNO en fait, elle m'avait tout simplement fait ma miniature. Voilà, la miniature du live, c'est elle qui l'a fait, donc je la remercie énormément et merci beaucoup pour votre présence. Sachez que à la suite de cette vidéo, donc dans quelques jours, je sortirai la rediffusion de tout le combat du boss. Parce que dans cette vidéo, j'ai pas mis tout le combat avec le boss et le combat, il était méga long. Donc je ferai une vidéo exprès pour ça, sans montage. Et je ferai aussi une rediffusion du débat sur les hypothèses qu'on a eues avec BXNO. Donc en gros, à la fin du live, c'est pas dans cette vidéo, dans cette rediffusion, mais à la fin du live, on avait fait un petit débat avec BXNO. On a essayé un petit peu de voir, de se donner les hypothèses, pourquoi le jeu est comme ça, quelle est la vraie histoire. Donc je vous mettrai aussi cette vidéo-là. Et par la suite, je ferai quelques petites vidéos bonus sur The Forest, des vidéos expérience, où on verra les fins alternatives, où on verra par exemple ce que font les cannibales quand on n'est pas là. Enfin bref, on fera des vidéos expérience. Mais maintenant, les amis, la série The Forest, elle est terminée à l'épisode 22. C'est l'épisode final, on l'a fait en live pendant 4 heures, on a terminé le jeu. Je suis trop content et voici aujourd'hui la rediffusion avec un petit montage des meilleurs moments. Faites des pauses, si jamais vous n'y arrivez pas, faites des pauses, mais regardez toute la vidéo en entier, prenez à boire, à manger, enfermez-vous les rideaux et tout. Et passez un bon moment devant cette vidéo. J'ai pris du plaisir à faire le montage parce que bah voilà, ça m'a rappelé donc tous ces moments qu'on a passés en live et c'était juste incroyable. Merci beaucoup, bon visionnage à tous. 3, 2, 1. Forest. Oh la regarde, c'est trop stylé. Si on peut retrouver Timmy, moi je dis pas non. Bonjour mademoiselle, vous êtes plutôt séduisante. Vous avez des beaux seins d'ailleurs. Est-ce que nous pourrions peut-être être amis? Vous êtes mignonne. Il y a des écureuils. Le lézard. Non! J'ai tiré à côté. J'en ai le cœur net. C'est ces salauds qui m'ont enlevé mon fils, Timmy. Oh, je l'ai déchiqueté. Oh, vous avez vu ce qui vient de se passer? Ah! Ah! Arrête de casser, je me suis fait chier. Et on va retrouver mon fils Timmy, parce que mon fils Timmy, c'est mon enfant. C'est le sang de la veine, il vient de moi. Et moi, je suis un warrior, je suis un combattant. Je ne me laisserai jamais abattre. Je ne mourrai jamais. Par conséquent, mon fils ne mourra jamais. Et je sais qu'il est sain et sauf.
Yes, c'est parti, bordel! C'est incroyable ce qui va se passer, les amis, aujourd'hui. Nous sommes en live, nous sommes mercredi 22 mai 2019, il est 14h08. Je suis en retard de 8 minutes. C'est incroyable, les amis. Bombardez tous de pouces bleus, merci d'être présents. Ça fait extrêmement plaisir de tous vous voir. Je suis vraiment super content. Dernier épisode, on passe toute l'après-midi ensemble. On a jusqu'à 18h. Pour retrouver Timmy, mon fils, ok? J'espère que vous avez kiffé l'intro. J'espère que vous avez kiffé l'intro, les amis. Ça y est, c'est parti, la musique, c'est terminé. Il est l'heure de commencer le stream. Je m'équipe juste de mes petites lunettes anti-lumière bleue parce qu'on va pas se mentir que sinon ça fait un petit peu mal au crâne. T'es magnifique qu'avec tes lumières jaunes. Déjà, c'est des lunettes, c'est pas des lumières. Ah non, j'ai mal lu, pardon, c'est des lunettes jaunes. Oui, pardon, j'ai mal lu. En fait, les lunettes, elles sont pas correctrices, du coup, j'ai du mal à lire. T'es bien coiffé, merci, je me suis juste pas coiffé mais c'est pas grave. Par contre la priorité, alors je me suis renseigné au niveau des armures parce que je sais qu'à la fin je pense qu'il y aura un boss final. Faut savoir que les armures effrayantes c'est la meilleure des armures. Et en dessous de ça on a les armures en os. Donc là regardez, j'ai plein d'armures en os sur moi, j'en ai 7. Je les ai pas encore équipées pour éviter de les user. On les équipera lorsqu'on en aura besoin. Et si on trouve des armures effrayantes évidemment, eh bien on les gardera sur nous et on les mettra, on les portera lorsqu'on sera contre le boss final à la fin. Comme ça on sera un petit peu pas mal. Ce qu'il faudrait aussi c'est qu'on fasse des explosifs, plein de cocktails molotov, tout ce genre de trucs. Donc déjà, on va pouvoir faire ça les amis, regardez. On va faire plein de cocktails molotov, vous savez quoi? On va pas perdre plus de temps, d'accord? On va faire ça, d'accord? Faut que j'arrête de dire d'accord. D'accord. Ah, on va récupérer plein de plantes, surtout l'aloe vera, pour faire des soins. Les amis, c'est la première fois qu'on va essayer l'arbalète, regardez, regardez. Voilà, je sais pas utiliser l'arbalète. C'est vraiment ma première fois, hein. Oh mais je suis une merde. Oh allez, ça m'a saoulé, je vais prendre l'arc hein. Je sais pas jouer à l'arbalète les amis. Je pensais pas que ce serait si dur, voilà. J'ai mis deux flèches à côté donc ça on mange pas ce champignon là. On va récupérer du coup à notre base des petits trucs. Ça m'a fait combien de pots de serre là? Attendez, elle est où la peau de serre? Elle est là. Ah il en faut deux pour faire une gourde. Il en faut deux, d'accord. Je retiens. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer ici? Ah bah voilà des médocs, impec. On récupère les médocs, je savais que j'avais des... Cocktail de santé, ben voilà, j'en avais mis tout plein. Désolé, je viens juste dire bonjour et je pars parce que j'aime pas The Forest. Ah bah c'est dommage, parce que c'est fantastique. Et puis surtout là on va terminer le jeu en live, ça y est. Donc ça va être assez incroyable. Enfin on va terminer le jeu, hey il fait quoi lui? Hep, tu restes là-bas toi hein. Tu restes tranquille. Oh la tortue, salut à toi. Bon tant pis, y'a pas d'aloe vera, non ça c'est pas une plante. Putain j'ai plus peur d'eux hein. Franchement. Vous avez vu comment j'ai plus peur? Direction la fin du jeu les mecs. Ok, ah oui faut aller en face. Alors maintenant que j'ai là le truc pour escalader, tac. Alors, j'ai juste à faire ça. Voilà. Ah je suis musclé comme jamais hein. Voilà. Et voilà. Et là il faut faut monter ou descendre? Je sais plus c'est quoi. Il faut aller où? Faut aller où là? Mais non faut pas descendre, vous m'avez pris pour un jambon. Ah mais je sais, fallait que j'aille en face. Ah vous m'avez arnaqué. Ah ouais, eh, c'est grave pratique. Et c'est grave cheaté aussi parce que du coup ça n'use pas les piles d'après d'après vos dires. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Bon là c'est fini les amis hein. Là c'est fini les amis, là maintenant on est dans la phase où on rigole plus hein. À partir d'ici je ne sais pas ce qu'il y a après, d'accord? C'est-à-dire qu'on s'en est arrêté là quoi. On n'est jamais allé plus loin qu'ici. Et je crois qu'il faut faire exploser ce mur. Hein. Comment on l'allume? Oh! Comme ça. Adieu! Ah mais je me suis trompé, c'est pas une dynamite, c'était une fusée éclairante. Hein. Voilà. Hein. Ça m'a fait peur. Ok. Bonjour! Ah je suis sourd, ça y est, j'ai mal aux oreilles. Hein. Bonjour, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas s'il y a des gens. J'ai peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah! D'accord, d'accord. On fait ça comme ça. Alors, il faut vite prendre un molotov. On court. Viens voir. Viens voir, frérot. Eh, frère, frère. Je suis mort! Je
Je suis putain de mort. What? Oh. What the fuck? Attendez, je suis pendu. Alors là, je peux récupérer ça et je peux me détacher peut-être. Oh non. Non. Ah, j'ai encore mon stuff. Oh, j'ai encore mon stuff. Oh. Je me suis chié dessus. Je me suis fait... Ah non, j'étais pas mort, pardon. Je me suis fait capturer. Oh, c'est presque la même chose. Hein. Allez, on saute. On saute. Ne refais plus jamais ça. Je ne refais plus jamais ça. Promis. C'est promis, juré. Retenez bien la promesse. Eh, Bastien, il me connaît bien. Bastien, il sait qu'à tout moment, je peux sauter dans le vide parce que... Allez, on récupère les... Non, je peux pas avoir plus de bâtons, c'est vrai. Je force, hein. Ah, c'est comme avec les nanas, mais moi, c'est avec les bâtons. Voilà, moi, je... Oh. Voilà, je peux pas récupérer plus de bouteilles d'oxygène, c'est la même chose, hein, je force. T'es mon youtubeur préféré. Merci, Gaël. Merci beaucoup. Salut, Loan. Bien... Ah ah, ta mère. Putain. Je lisais le chat et toi, tu m'as fait peur. Allez, casse-toi. Hein. Allez, ça dégage, hein. Ah là là, la frayeur sa mère. Allez, je prends son cadavre, je le mets là. Aïe aïe aïe. Mais là, si je meurs, si je meurs... Oh, il a vu le feu. Oh, il a tiré par le feu. Attends, je vais lui offrir du feu. Il a tiré par le feu, je vais lui offrir du feu. On le dépose. Ah là là, ça y est, donc hop, on récupère. Donc là, les amis, regardez bien, j'ai récupéré une armure effrayante. Elle est où? Ah. Elle est là, armure effrayante. Et ça, faut savoir que c'est la meilleure des armures. Donc, on va pas l'équiper. Et on l'équipera dès qu'on est dans le caca. Allez, hein. Oh, je l'ai foiré. Je l'ai foiré. Sans deck. Je l'ai tué plus facilement que le premier. Par contre, il est totalement bugué là. Ah mais non, il est pas mort en fait. Pardon, je croyais qu'il était mort, mais il est pas mort du tout en fait. Je me suis enflammé. Mais j'ai l'impression que l'arbalète, elle lui fait... Oh, je l'ai tué, ça y est. Oh les frérots, l'arbalète, elle est énorme, hein. Oh, l'arbalète, elle fait mal, hein. Impec, ça nous fait deux armures effrayantes, ça c'est cool. Allez, on va ouvrir la porte. Ok. Ok, lui il est mort. Allez. De toute façon, dans tous les cas, c'est l'épisode final quoi qu'il arrive, parce que soit je vais mourir et ce sera la fin, hein, faudra pas m'en vouloir. Soit soit je meurs pas et je finis le jeu comme il se doit. Ce que j'espère. Oh, il y a un truc. Oh, une pièce du jouet de Timmy. Oh, c'était pas voulu. Ça c'est cool. Ok, alors les amis, jouet de Timmy, elle est où sa jambe? Enfin, il est où le morceau que j'ai récupéré? Là. Eh, il lui reste plus qu'un bras et Timmy sera content quand je le retrouverai. Nous allons l'ouvrir et nous sommes dans le cratère. Nous sommes dans le cratère, les amis. Et il fait jour, donc... Donc on en profite. Ça m'a fait peur, ça m'a fait plutôt peur. Liste mise à jour, d'accord. Allez, hein. Allez, je sais, on est dans le cratère, c'est incroyable. Oh, il y a un hélicoptère qui s'est crashé. Exceptionnel. Je sens qu'on va en apprendre un peu plus, hein, sur la série. Oh. Oh. Ah d'accord. Attends, on va reprendre le katana. Est-ce qu'il peut monter lui? Non, il peut pas monter. Ça c'est cool, c'est qu'ils peuvent pas monter. Oh, il a une arme dans la main, eux. Par contre, du coup, on a un hélicoptère qui s'est crashé.
Oh, vous entendez, il y a un écho. C'est trop bien fait ce jeu. Ce jeu est trop bien fait. Ce jeu est trop bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'écho? Attends, déjà, une tenue, on s'en branle. Oh, l'écho, il est génial. Machette récupérée. On a récupéré une putain de machette. Attendez, elle est où? Emco, t'avais pas dit que tu avais plus peur des indigènes au début, MDR? Oui. Allez, c'est parti. Salut les frérots. Alors, faut aller où? Faut aller là. Hein. Allez, c'est parti. Oh là là. On s'enfonce. Tu vas crier au moins 5 fois, ouais. Possiblement. Ok, faut aller où? Ok, donc c'est parti, je nage. Hein. Yes. Oh là là, ça me fait trop peur. Par contre, à la fois ça me fait peur et à la fois c'est kiffant parce que, bon, vous, vous connaissez sans doute. Mais moi, je ne connais pas du tout. Là, c'est de la. Comme le premier épisode, c'est de la. Enfin, non, c'est même pas comme le premier épisode puisque je connaissais le jeu. Mais là, c'est de la vraie découverte, quoi. Par contre, je peux pas me faire un feu. Hein. J'ai pas envie de gaspiller mon bois. D'ailleurs, il me faut 14 sticks pour un abri temporaire. Et j'en ai 6! Je pourrais même plus me faire de save. Oh, un destin de Timmy encore. Avec des tortues et quelqu'un qui nage avec un respirateur aquatique. Ok. Eh bah, mon fils, il a de l'imagination. Hein. Par contre, toi, j'ai froid. J'ai froid et je peux pas me réchauffer pour le moment. Par contre, il y a des échos, c'est trop bien fait. Eh, attendez. Ça va où, là? Ah. Ah, bah, il y a des bâtons. 3 bâtons récupérés, pas mal. C'est tout. C'est un cul-de-sac, mais au moins, j'ai récupéré des bâtons. Ça, c'est bon à savoir. J'en ai 9, mais il m'en faudrait 16, je crois. Je sais plus. Il y a quelques... Ah! Hey, j'ai encore mon armure en os. Hein. Putain, je viens de positionner comme un porc. Ah, si tu as froid, allume ton bâton, ça réchauffe. Arrête tes conneries, sans déconner. Trop bien. Alors, c'était pas ça que je voulais, c'était ça. Hein. Putain, je savais pas ça. C'est vrai, ça marche? Oh putain, ça marche, c'est génial. Oh là là, merci pour tous ces conseils, Bruno. On n'a jamais écouté les cassettes. Ça vous dit, on essaye juste pour voir, comme ça? Allez, vas-y, juste un. Cassette... Parce que j'aimerais découvrir, je connais pas. Cassette 1. Vas-y. Hey! Hey, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Hey, trop bien la musique. Oh, et on peut continuer de jouer avec. Oh là, on est bien dans l'ambiance là. Allez, hein. Allez, on va retrouver Timmy dans la joie et la bonne humeur. Allez, tous ensemble, on a le smile dans cette caverne remplie de mutants. Tout se passe bien. Allez, grosse ambiance ce soir. Timmy, je vais te retrouver. Tu peux compter sur moi. Un partenaire particulier, exactement. Ça me fait exactement penser à ça. Ah ouais, tout de suite, ça te remet tout de suite dans l'ambiance. Hein. Ah là, quand t'arrêtes la musique et que t'as l'ambiance de la caverne qui revient... Ah là, c'est pas Jojo. Hein. Voilà. Hop! Je te brain. Bon, il fait quoi là? Attaque-moi, merde! Ok, impec. Allez, on sauvegarde, on perd pas de temps, on sauvegarde direct. Hein. Comme ça, si jamais il y a une couille. Une couille dans la patouille. Allez, c'était ma petite blague. Hein. Y'a pas des trucs à récupérer, non? Bon, et ben, continue! Oh là là, j'ai l'impression que c'est que le début. Hein. Franchement. Et donc là, après ça, on pourra plus sauvegarder, si j'ai bien compris. Oh là là, hey, c'est flippant. Hein. Je crois que c'est la dernière save, ok. Super, vous me rassurez les frérots, en fin de compte. En fin de compte, vous êtes rassurants. Hein, Ah, attendez. Waouh. Les frérots, ça y est, on est devant la porte. Alors là, on est devant la porte de la carte magnétique. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. Ça veut dire que derrière cette porte, on va mourir. Ouais. Voilà, donc là, j'ai mis plein de dents sur le katana, enfin sur la machette.
Donc normalement, la machette fera encore plus de dégâts qu'elle n'en fait. En principe. Oh, je suis une machine, hein. Ça y est, hein, je suis lancé. Et donc dès qu'on arrive au boss final, on se mettra le full d'armure, d'accord? Si on y arrive, hein. Rappelons que je suis toujours pas aussi sûr. Oh putain, j'ai la machette dans la main. Ah ouais. Oh, elle part rapidement par contre, ça c'est cool. Ah, je me sens plus léger avec. Ok. On est parti ou pas? Allez. Explore bien à partir de maintenant pour que tu comprennes pourquoi ils ont pris Timmy. Ok. Waouh, le délire! Alors si on m'avait dit que les développeurs avaient mis ces trucs-là dans le jeu, j'y aurais pas cru. Oh, c'est beau tout de même. Hein. Oh là là! On va prendre notre temps, les amis. Hein. Moi, je veux comprendre. Là, on peut monter. Là, on a... On peut pas récupérer. Là, on peut monter. Là, ça va où, là? Un pot de peinture. Ah yes, ça c'est cool. Je suis en rouge, là. Et comme ça, en plus, il pleut pas. Normalement, il n'y a pas d'eau, là. On est en sécurité. Sahara Mail. Donc, c'est des impressions de mail. Hein. Ah, ok. Oui, alors, rappelons par contre, regardez, maintenant, on va un petit peu parler de l'aventure. C'est que on a su dans des conteneurs qu'il y avait une histoire avec une entreprise qui s'appelait Sahara quelque chose. Et c'est des trucs thérapeutiques. Hein, voilà, Sahara Therapeutics. Voilà. C'est toujours pas ce que c'est. C'est en rapport avec la thérapeutique, tout ce qui est médecine. Vous voyez, là on a un examen médical sur quelqu'un de mort, non? Je crois que c'est... Ouais, un homicide sur quelqu'un de mort, voilà. Donc en gros, c'est tout ce qui est... Putain, ça me fait flipper, ça me fait flipper, là, de parler de ça, là. Eh ben voilà, on va se prendre des sneakers. Impeccable. Succès déverrouillé, vous le voyez sur le live? Ah non, on le voit pas sur le live. J'ai un succès déverrouillé. C'est Big Spender. Ça me fait peur. Il faut que j'aille aux toilettes, les frérots. Faut que j'aille aux toilettes. Je vais me pisser dessus, là. Non, non, je peux pas continuer. Eh, les mecs, je vous mets pas de musique, je fais juste une pause de... 30 secondes, le temps de faire pipi, me laver les mains, parce que là, je vais pas tenir. À dans 2 secondes même pas, les frérots. À toutes. Très rapide. Hein. Non, sinon, je vais vraiment me pisser dessus, donc... allez, à plus. Comment je coupe? Ah, des barres. Des barres. On est reparti, les amis. Là, il peut pas passer, je pense. Non, il peut pas passer, ça c'est cool. Voilà, il est mort là. Ah, oh, il est mort là. Cool. Imagine, il faisait des expériences sur des enfants. Bah ouais. Tu vois, j'ai des hypothèses, mais je connais pas. Pour le moment, on connaît pas. Enfin, pour moi, je connais pas le jeu encore, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi il y a des bibles surtout. C'est ça. Comment tu peux mêler, faire des expériences sur des enfants, les rendre mutants? Tu vois, pour moi, c'est une hypothèse qu'ils les ont rendus mutants. Je sais pas, ils ont fait des expériences pour les, je sais pas, pour les guérir d'une manière ou d'une autre. Et quel est le rapport avec les bibles? Quel est le rapport avec des trucs de croyance, quoi? Tu peux pas mélanger scientifique et religion, ça, c'est impossible. Hein. Ça, c'est... ça, c'était avant, ça. Ça, c'était avant que... Putain, mais regardez, c'est... Oh, c'est dégueulasse. Jessica Cross. Oh! Oh, sa mère! Oh, c'est énorme! C'est exceptionnel! Megan Cross, c'est la daronne de celle qui a dessiné ça! Oh là là! Oh là là, c'est glauque! Enfin, je sais pas ce que c'est en fait, donc. Ça se trouve, ces trucs. Je pense que ça existe dans la vraie vie, ça. C'est pas glauque, je pense. Je pense que c'est pour mettre la tête dedans et se la faire exploser, donc. Basique! Quelque chose de plutôt classique! Qu'on pourrait retrouver. Dans n'importe quel institut thérapeutique, hein, dirais-je même. On dirait le truc chez le coiffeur. Ah ouais, pour faire les cheveux frisés! Eh, par contre, ça fait du bruit, les chaises. C'est pour se friser les cheveux, en fait. Excusez-moi, j'ai confondu, c'est pas thérapeutique, c'est un salon de coiffeur. Et qu'est-ce que tu vas faire? MDR, je peux le taper à travers. Oh, il est mal fait, le jeu. Allez, hein. Moi, je baisse le jeu, moi, qui sert. Alors, soit le scientifique... Non, il s'est pas pendu lui-même. À mon avis, on l'a pris et c'est comme moi avant quand je me suis fait kidnapper. Megan Cross. Donc, ce serait la fille de la femme qui a été tuée par un homicide. Et ce serrait la fille du père à qui appartient le yacht. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va y avoir un screamer, sa mère.
C'est Timmy! Yes! Ah bah non, pas yes. C'est méga glauque. Ok, donc là je joue pas, c'est une cinématique, hein, les amis. Hein, vous l'avez compris. Oh, c'est exceptionnel. Il s'est fait planter de tous les côtés. Eh, il est moche. Oh. Oh, mon fils, il est déglingué. Bah, tu vas faire quoi? Il va y avoir un screamer, c'est sûr. Tu dois le réa? Mais non! New sample requiem. Alors là les frérots, il se passe trop de trucs dans ma tête. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. En gros, on a besoin. Putain. En gros, il y avait quelqu'un qui était ici, ok. Timmy, il était là. Timmy, il était là pour réanimer la personne qui était là. Et là, maintenant, on veut le réanimer lui. Donc, faut qu'on trouve quelqu'un à mettre là. Aïe, 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 aïe. Mais je peux pas. Je peux pas trouver quelqu'un d'autre. Je peux pas tuer quelqu'un d'autre pour réanimer mon propre fils. Me dis pas qu'il va falloir que je cherche la Mégane et que je la sacrifie pour mon fils. Eh, c'est un truc de fou. Est-ce que je peux me sacrifier moi-même? Ah non, je peux pas. Hein. Bon, on est parti, hein. C'est une cinématique, c'est une cinématique, ça m'a fait peur, ça m'a fait peur. Je peux pas manger? Parce que... Salut, salut Damso. Oh! Elle est pas belle! T'es... Ah! Je suis une victime! Un jour j'irai sur la lune. Oh, E.T. téléphone maison. Oh, ouf, j'ai un chat dans la gorge. Oh. Elle fait une crise d'épilepsie. Ah non, ah oui. Oh merde! Putain! J'arrive pas à la toucher là! J'arrive pas à la toucher! Putain! Mais Nike! C'est foutu maintenant! Mon jogging! Ah ouais, viens! Viens! Ouais! Ouais, c'est bien, continue comme ça, ma puce! Ouais, on fait ça, hein! Allez! 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 Reste par là! Ouais! Ouais! Hop! Voilà! Allez! Je l'ai niqué! Je l'ai pas niqué! Elle revit! Elle revit! Non! J'y avais cru! Vous forcez pas à regarder, hein, ceux qui sont jeunes. Merci BXO. Oh merde, elle m'a mis KO là. Oh là là, baby, c'est le KO, hein. Oh là là. Mon cœur danse là. Mélange énergie. Heureusement, ça met le jeu en pause quand tu ouvres ton inventaire parce que. C'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère.
Arrête! Arrête! Non! Ouais! Succès déverrouillé, Demolition Man. Vous le voyez pas, c'est Steam. Je crois que je l'ai eu. C'était pas le boss final, ça. Oh non! Elle revit! Cocktail de santé et armure effrayante. Pas le choix. Putain. Elle est toujours pas dead. Oh là là! Eh, j'ai plus rien pour la défoncer, hein. J'ai plus rien pour la défoncer, les frères, hein. Sincèrement, hein. Ah si, 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 attendez, attendez, attendez. Ça. Allez, hein. Essaye même pas de me toucher, toi. Mais non. Oh putain. C'est pas fini. Oh yes. Ok. Ah là je pensais que c'était la fin vraiment. Ah ouais. Mais putain, mais elle me saute dessus comme ça là. Grosse conne. Elle me déglingue. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre elle? Arrête! Ah! Je suis mort, je peux rien faire! Je suis mort, je peux rien faire! Médoc! Médoc et j'ai plus de. Là, je vais vous dire un truc, j'allais remourir, là. Là, j'allais remourir. Regardez le soin qui me reste, là. J'ai plus rien. J'ai plus de feu, j'ai plus d'explosifs, j'ai plus rien. Ah. Bon, la pauvre, la petite, elle a rien demandé, je pense, hein, d'être une mutant comme ça. Donc voilà. Oh là là, putain. Oui, c'est le boss final, d'accord. J'espère pour toi que ça allait. C'est pas très rassurant, tout ça. Ah, pourquoi t'étais en stress? Mais ce qui s'est passé, c'est épique. Comment ça, c'est pas le final boss? Eh hey. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai combattu, je pense, n'est-ce pas, le boss final. Elle m'a eu. Enfin, le boss m'a eu. Au final, j'ai pu reprendre mes esprits et tout. Et j'avais plus rien pour la combattre. Et j'ai quand même réussi à la combattre au dernier souffle, quoi. Et je... Putain, j'ai failli pleurer, hein. Oh là là. Ah! Ah la conne, elle est tombée! Quoi? Live! 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 Quoi? Il faut que ce soit quelqu'un en vie! Il faut que. Oh, j'ai récupéré une nouvelle carte magnétique! Ce serait pas pour aller dans le bateau? Timmy a été sacrifié pour elle. Faire un échange pour remettre les choses comme avant. Ouais? Mais ça marche pas! Parce qu'il faut quelqu'un de vivant. Eh mais je vous jure, ce jeu il va me faire chialer parce que déjà c'est pas dans mon éthique ça. Moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi il y a de l'électricité sur cette île. Voilà. Oh, énorme, regardez les plages. Admirez cette vue un petit peu exceptionnelle. Oh là là. Oh c'est beau. Non mais, y a encore un boss final qui m'attend. Il y a encore un boss final qui m'attend. On croirait, tu sais, c'est un champ magnétique ce truc, c'est quoi? C'est un portail vers l'au-delà ou quoi?
Les frérots, je comprends rien. J'ai compris, bordel, je crois que j'ai compris. Tout ça, tout ce qu'on vient de vivre, c'est un éternel recommencement. Notre avion, il s'est crashé. Pourquoi notre avion s'est crashé, les amis, allez-vous me dire? L'avion s'est crashé parce que quelqu'un a provoqué le crash, exactement. OMG, le crash a été organisé. Pour récupérer un enfant vivant, à savoir Timmy, mon fils en l'occurrence, on me l'a enlevé pour le sacrifier et pouvoir faire revivre l'enfant de la personne qui me l'a enlevé. Donc la personne de l'introduction de l'épisode 1, quoi. Et donc là, pour sauver Timmy, on doit faire la même chose. Mais je veux pas faire ça. Et si je fais ça, ça coupe ce truc-là. Il y a tout qui coupe. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et plus aucun problème pourrait arriver. Mais mon fils sera mort. Mais il n'y aura plus personne de malheureux. Ouais, mais le mec qui va sauver son fils, il va rendre quelqu'un d'autre malheureux. Et lui aussi, il sera dans... Tu vois, en fait, c'est une... Enfin, c'est pas une solution, c'est un... rebelote, quoi. C'est un cercle vicieux. Non, moi, je coupe. Non, je fais pas crasher l'avion. Timmy, je voulais le sauver si c'était possible. Je voulais le retrouver. Timmy, je voulais le retrouver et le sauver. Mais dans mon éthique, là, mon fils, il est mort, là. Là, Timmy, il est mort. On n'est pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas Dieu. On n'a pas, on n'est pas censé avoir la capacité de faire renaître des gens. Malheureusement. Et heureusement, dans un sens aussi. Donc, Timmy... repose en paix. De toute façon, les amis, c'est ma série, hein. C'est mes choix. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Et même maintenant, si dans la vraie vie, ça... Là, on est dans le roleplay de la série. Donc, c'est comme si c'était la vraie vie, si vous voulez. Après, on pourra avoir les fins alternatives. Mais là, pour la série, on a bousillé mon voyage. On a tué mon fils pour sauver quelqu'un d'autre. Si là, je tue quelqu'un d'autre pour sauver mon fils, je ferai la même chose. Et ça recommencera. Je suis pas comme ça. Non, on arrête. Allez, c'est parti. Shut down. C'est parti. Ouais, en plus, il y a une confirmation. Hein. Personne ne devrait vivre ça. Allez, c'est parti, je suis un héros. C'est la fin de toute violence. C'est la fin de toute haine. C'est la fin des expériences, on arrête. Ah, et puis ça fait du bien aux oreilles aussi. Hein. Tout le monde dans le chat, repose en paix Timmy, je veux tous vous voir avec des cœurs. RIP Timmy, repose en paix, je veux tous vous voir. Ah là là, voilà. Timmy est mort, hein. De toute façon il était déjà mort. Là, on pouvait juste le ressusciter. Mais éthiquement, c'est pas correct. C'est la sortie. Vous l'avez la référence de la photo de Timmy qui brûle? Oh putain. C'est la chair de poule. Attends, je rentre juste dans la caverne pour me réchauffer. Oh là là. C'est ça Firestorm, la ref, c'est comme dans le rap. N'hésitez pas, si jamais vous l'avez jamais vu, à taper sur YouTube M-Colo, tout va bien se passer. Comme ça vous comprendrez la référence. Ah là là, putain, ça m'a donné les frissons. Voilà, bah merci les amis. Voici l'outro, c'est la fin de The Forest. Merci beaucoup. Et à une prochaine.
c'est parti les amis, épisode 1. On va commencer cette survie. Alors ouais, on va se faire un petit abri de chasse tout simplement. C'est temporaire vraiment. Je l'ai eu. Il y en a un autre. Je l'ai eu. Hop là. Oh, il y a des cannibaux, des cannibales. Oh non. Ah, vous essayez de m'intimider mais ça marche pas. Dégage. Hop. Yes. Non. Ah, Elle me tape. C'est de la légitime défense. Je te nique. Oh là là, c'est un dessin de Timmy. Vous m'avez enlevé mon fils Timmy, d'accord. Mais encore toi avec une barre. Ah, allez, dégagez, regardez. J'ai du feu, vous voulez quoi? Vous récupérez une carte. Je suis en train de monter. Regardez Mascon. Il est tombé dans l'eau, il est mort.